Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve en vidéo bonus aujourd'hui. Donc, je tourne aujourd'hui pour vous la publier aujourd'hui, qui sera donc un haul action. Voilà, hier avec chérie, hier soir après son travail, on est passé chez Action. Alors, il me fallait deux trucs. Je suis revenue sans les deux trucs qu'il me fallait, mais avec un gros sac. Voilà. Comme d'hab, hein, quand on va chez Action, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Donc, je vais prendre dans le sac comme ça vient. Je vous affiche tous les prix sur l'écran. Et c'est parti. Donc, d'abord, on a pris ceci. C'est des petits anneaux comme ça, enfin, des petits crochets. Parce que chérie va me faire un truc là pour pouvoir poser mes serre-têtes. Parce que j'en ai trop maintenant. Je ne sais plus les ranger. Donc. Il va mettre deux barres à rideaux maintenues avec ça, enfin deux bouts de barres à rideaux au-dessus de mon étagère là pour pouvoir poser tout simplement mes serre-têtes dessus. Donc j'espère qu'il me le fera un jour. Et il fallait un casque à Enzo, donc je lui ai pris celui-ci. Donc il l'a déjà pris. Hein. Vous avez le petit micro. D'abord il me dit, ah, mais il n'y a pas de micro. Ben, j'ai dit, si, on a bien vérifié. Il sort du casque en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, et pour 10 euros, un casque gaming, après, oui, c'est pas de la super qualité, on est d'accord, mais lui, ça lui suffit, il était bien content. On a trouvé des tortillas, on en a pris deux pour quand tu fais les tacos, mais alors, ils sont gigantesques, ils font 100 grammes pièce quand même. Voilà la taille. Genre, moi, je sais pas en manger, hein, quoi. Voilà. Du coup, on en a pris deux. Que les garçons arrivent à en manger deux, même des grands comme ça, je pense qu'ils sont capables de s'en enfiler deux chacun. On a repris les fameuses friandises pour les chiens, voilà, ils les aiment bien, sauf qu'il faut bien penser à refermer le sachet. Il y a un zip, hein. Les enfants l'avaient pas refermé la dernière fois et les trucs sont devenus archi durs. Le gros avait du mal à les manger, alors la petite qui a plus dedans, je vous raconte même pas. Donc voilà, mais ils les aiment bien, c'est pas les plus saines au monde, hein, mais ils les aiment bien. Alors, je vais essayer de choper tout ce qui est pour les animaux. Alors, en friandise, j'ai également pris celle-ci pour Chico. Voilà, pour la petite. Elle les aime bien. De toute façon, dès qu'il y a un peu de poulet enrobé autour, elle adore. J'ai pris un comme ça pour le gros. Oh, voilà, le truc, il fait 15 mètres. 170 grammes. Donc, c'est à peu près le même que les petits que j'ai pris pour Lynn, pour le gros. Pour le chat, j'ai pris, je crois que j'en ai pris trois, mais bon, là, il n'y en a que deux. Les friandises comme ça. Je prends toujours les anti-airball, comme ça, il crache pas ses poumons quand il se lave, parce qu'il se lave tout le temps. Et je lui ai pris également ceci, donc les petits sticks. Il aime bien de temps en temps. Ouh. On a racheté deux jouets pour les chiens en corde. Donc j'ai pris le petit ours là pour les loups, et ils sont mignons. Voilà, après il est lourd, donc j'espère qu'elle saura le soulever. Et pour le gros, on lui a pris celui-ci. Ah, il est super lourd. Il y a quelqu'un qui vient de se péter l'incruste. Ou je rêve. Donc voilà, et ça c'est bien parce que lui, il adore les cordes. Et en plus, vous pouvez tirer de l'autre côté. Il adore ça. Donc je vais aller leur donner un... Je les ai planqués pour pas qu'il les voit, sinon il les aurait déjà piqués les deux là. Deux comme ça pour le gros aussi. Alors. Je me suis pris un paquet de 6 mellow cakes. Voilà, j'adore les mellow cakes. Il y en a bien 6 hein, dedans. Voilà, fois 6. Donc, voilà. On a repris une rallonge avec juste un trout-trout qui fait, il fait combien? 5 mètres. C'est juste pour l'aspirateur, pour le poêle à peler en fait, parce que le câble est très petit, ce truc-là. Donc il nous faut une rallonge, et comme Enzo nous a carotté la rallonge qu'on utilisait, on en a racheté une. Et juste pour le laisser brancher dessus, on a pris juste avec une allonge, quoi. On n'a pas pris un multiprise, mais juste une allonge. J'aurais pu remettre un peu de rouge à lèvres, non? J'aurais pu le faire avant. Le make-up, là, vous le verrez la semaine prochaine. Hein. C'est juste que je me suis changée, parce que j'avais trop chaud. J'ai mis mon fameux t-shirt... Alors, j'ai pris un petit cadeau pour mon frère. Je lui ai pris une tasse avec un tigre. Voilà, mon frère est fan des tigres. Et je l'ai trouvé très belle. Il y avait aussi avec une panthère noire. Très jolie aussi. Mais comme il adore les tigres, je crois que c'était la dernière. En plus, j'étais contente. On m'a repris des patchs pour le dos.
Voilà, parce que comme je peux toujours pas prendre d'anti-inflammatoire, quand j'ai mal, c'est le seul truc qui me soulage. On en a pris plusieurs, hein. Voilà. Pareil pour le scotch, pour les ventes vintage et les colis des concours et compagnie, d'ailleurs que vous aurez demain un concours. Voilà, voilà. Pour les 9 ans de la chaîne. Donc je suis impatiente, j'espère que ça vous plaira. Bref, c'est pas le sujet cocotte. Voilà, on a repris 3 scotch, hein, vu le prix, on se limite pas trop. J'ai repris la sauce comme ça aux oignons. Elle est trop bonne et elle y est pas tout le temps. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vue, donc je m'en suis repris une. Ça, dans les hamburgers, avec les frites. Et tout. Bon, je la mets avec tout. J'adore cette sauce. C'est trop bon. C'est trop bon. Bien sûr, j'ai repris mes 2 bifirolles que je prends à chaque fois que j'y vais. Monsieur s'est repris ses friandises classiques aussi. Donc, c'est pâte feuilletée fourrée à l'abricot, là. Voilà. Et aux amandes, c'est ça. Hein. Ouais, goût amande, fourrée, goût amande. Voilà, il les prend à chaque fois qu'il va aussi. D'ailleurs, il ne s'est pas pris des soucoupes, donc à mon avis, il n'y en a plus. Il a repris 2 déodorants Adidas, souvent un pour lui, un pour les garçons. Voilà. Le Cool and Dry et le Ice Dive. Donc moi, j'y allais pour 3 choses à la base. Je voulais un vase parce que j'ai commandé des fleurs en cristal sur AliExpress que j'attends pour mettre à la place du vase, là, du bougeoir qu'il faudra que je rentre à jour à ma belle-sœur, quand même, hein, parce que c'est à ma belle-sœur. Je voulais aussi un backup des poudres libres, qu'il n'y avait pas du tout, et une guirlande lumineuse. Donc ça, j'ai quand même trouvé donc une petite à pile, hein, juste pour quand je fais mes photos Insta. Donc vous voyez absolument rien. Le câble est bleu, mais bon, voilà. Il y avait plusieurs boîtes de plusieurs couleurs, sauf que oui, j'aurais peut-être dû prendre un câble transparent, mais bon, tant pis. Je regarderai la prochaine fois. Comment ? Il n'y avait que warm white, donc lumière chaude, quoi. Voilà les tics de Lily. Donc ça, c'est un des 3 trucs que je voulais, c'est le seul que j'ai trouvé. Je me suis repris une boîte de coton-tige, donc j'en ai pour un moment, hein. C'est des 100% coton et papier. Moi, les coton-tiges, je les utilise principalement pour nettoyer mon arcade sourcilière quand j'ai fait mes sourcils au savon. Donc voilà, là j'en ai pour 15 ans. Je me suis repris un spray pour les cheveux, donc j'aime beaucoup cette gamme là, c'est le Egron Wonder Serum Spray Care and Oil à l'huile d'argan, qui ne se rince pas, c'est pour les cheveux secs et abîmés, il y a 150 ml dedans et ça coûte absolument rien, et comme j'ai presque fini mon biphase que je mets à chaque fois avant de me coiffer, j'utiliserai celui-ci juste après. Je me suis pris 2 masques pour les cheveux. C'est des nouveaux, je crois. Je les avais jamais vus. À la banane et à l'avocat. Et c'est des gros formats cette fois-ci. Je vous disais que c'était souvent des petits. Donc c'est marqué 3 en 1, 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Le banana, il est nourrissant. Et le avocado, il est hydratant. J'aurais pensé plus l'inverse. La Chico est en train de décéder, elle a trop chaud. C'est des formats 300 ml. Est-ce que c'est écrit en français? Alors, c'est vegan. C'est le 3 en 1 que j'aimerais bien savoir. C'est pas écrit en français. Oh, c'est marqué 3 en 1, conditionneur, rinse out mask et leave in mask. Je sais pas ce que les 2 derniers conditionneurs, j'ai compris, hein, mais les 2 derniers, je sais pas trop. Faudra que je lise, mais c'est pas écrit en français. Bref. Donc voilà, je vais pas les ouvrir maintenant. Ils auraient été scellés, je suppose. Ouais, bon, c'est un truc en plastique, facile à ouvrir, ça. Oui. Ah, ils sont aussi bons que l'autre à la banane, à le petit que j'ai, que j'adore. J'adore. Il est beau, le... Il est plus parfumé. Je n'ai pas l'impression qu'il sente super l'avocat, mais il est plus parfumé. Après, l'odeur, si je suis à la banane, ça me fait triper parce que j'ai les cheveux qui sentent la banane. Et quand je les lave avec le shampoing solide Lush avant, j'ai mes cheveux, ils sentent un mélange de barbe à papa et de banane. C'est génial. Je me suis enfin retrouvé un carnet pour noter mes idées, vidéos et compagnie. Je change très régulièrement, hein. Je vais m'amuser maintenant, je tout recopie dedans. Donc c'est un princesse, vous avez 80 pages à l'intérieur.
Après, j'avais pas beaucoup le choix. Hein. C'était ça. Il y avait le Roi Lion aussi avec tous les trucs léopards. Mais j'ai craqué sur celui-ci. C'est le premier que j'ai réussi à choper aussi parce qu'il y avait plein de monde devant le rayon. Donc voilà, c'est tout simplement aligné. Tout ce qui est plus classique. Et moi, je prends toujours à anneaux, comme ça, je peux mettre mes intercalaires à l'intérieur. Je me suis pris une paire de chlapettes léopard. C'est léopard, hein. Ouais, c'est un peu style léopard, un peu kaki, un peu on sait pas trop. Voilà, c'est des ladies strap sandales en pointure 38, hein, c'est toujours la pointure que je prends. Voilà, ça pour l'été, ça me sert aussi bien de pantoufles que de chaussures pour quand je dois juste aller chez mon frère ou des choses comme ça. Par contre, j'ai pas roulé moi avec des clapettes, hein, mais voilà, je les ai pris quand même. Et dernière petite chose, alors là, c'était pas prévu au programme du tout, mais quand je l'ai vu, j'ai craqué totalement. J'ai qu'un grand gobelet pour mes cafés. Et là, je m'en suis trouvé un autre, c'est un en métal. Regardez comme il est beau. Voilà, I will. Donc, c'est marqué que c'est pour garder au froid, gobelet avec paille. Convient pour les boissons froides. Donc, je suppose que si ça garde le froid, ça garde le chaud. C'est un format. Est-ce qu'ils disent la contenance? C'est pas noté la contenance. Il y a trois modèles différents, mais j'ai trouvé que c'est 480 ml. Donc ça me fait presque 500 ml de café. Oui, moi je vais m'en servir pour mes cafés. Je me suis dit de toute façon, si ça tient le froid, ça tiendra bien le chaud. Et comme c'est matière thermo à la fin, à l'intérieur, voilà. Plus la paille, mais bon, je pense que je mettrai quand même mes pailles en métal, parce que celles-ci, elles sont un peu grosses. Voilà, voilà. Ça m'a éclaté. Mais après, j'allais le laver pour pouvoir m'en servir tout de suite. Parce que j'aime trop, c'est trop mignon. Voilà, voilà. Donc, je vous ai bien tout montré. Oui, il reste un paquet de friandises pour le chat. Donc, maintenant, je vais pouvoir ranger tout mon bordel. Il y en a absolument partout. Donner un nonos au chien, parce que maintenant que je vais redescendre le sac, ils vont comprendre qu'ils vont l'avoir. Et voilà, donc j'espère que ce petit haul, cette petite vidéo rapide vous aura plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous avez trouvées. Si vous connaissez déjà ces masques-là, moi je les ai jamais vus passer nulle part hein, pour l'instant. Mais j'ai hâte de tester. Celui-là, il sent vraiment comme le petit, celui à la banane. J'adore. Bref, j'avais mangé un Bifi aussi maintenant qui me fond de l'œil. Là, il m'appelle. Voilà, et aller recopier mes petits trucs dans mon petit carnet princesse. Donc c'est belle, hein. Pourquoi vous ne l'aurez pas vu? C'était n'importe quoi. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si jamais cette vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve demain pour le concours. Donc n'oubliez pas de vous abonner, il faudra être abonné pour participer. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous.